Catherine David Zeka, alias Hortense dans Ici Tout Commence, a fait part de son agacement face à certains commentaires désobligeants qu'elle a reçus sur son compte Instagram au sujet de sa tenue légère sur certaines photos. Elle fait partie des personnages historiques de la série de TF1 puisqu'elle est présente depuis 2020, l'année de début de diffusion, dans Ici Tout Commence. Pour beaucoup, Catherine David Zeka et surtout Hortense Rochemont, une étudiante de l'Institut de cuisine Armand Armand très amoureuse de son petit ami Mehdi qu'elle finit par épouser à la fin de ses études avant de devenir professeure dans l'école hôtelière dont elle vient d'être diplômée. Dans la vie, Catherine David Zeka est non seulement une actrice, qui cesse d'illustrer dans d'autres productions comme Mon bébé de Lisa Azuello, mais elle est aussi chanteuse et une jeune fille de 25 ans. À ce titre, elle passe une partie de son temps libre à s'amuser avec ses amis, ce qui a semblé poser souci ce 4 septembre. Des commentaires désobligeants sur Catherine David Zeka et son ami Sieski. Une publication postée ce lundi soir sur le compte Instagram de la comédienne qui a fait polémique. On la voit en sous-vêtements, a priori un bikini, entourée de plusieurs amis, en train de poser comme pour une séance photo. Sur la première, l'une d'eux est en short et soutien-gorge d'où l'on voit dépasser une aisselle que l'on devine non épilée. La légende de l'actrice, en célébration du retour à l'école et du travail, indique « Bye bye summer » et « Bonne rentrée à tous ». Été, on se retrouvera bientôt. Le soleil réchauffera à nouveau nos peaux et les maillots de bain ressortiront des placards. En attendant, gardons l'été dans nos pensées, sachant que notre prochaine pool party n'est qu'à un claquement de doigts du calendrier. Vraisemblablement habitué à des photos moins dénudées et plus lissées de l'interprète de Hortense, plusieurs abonnés ont exprimé leur ébranlement à la vue de telles images. Si la plupart des commentaires étaient positifs, on a aussi pu lire quelques remarques comme « Elle me déçoit à jouer la star totale, je suis très déçu, si est-il pas beau du tout. Si est-il même choquant, fallait se raser en dessous des bras quand même, on en parle du dégradé sous les bras là, sans parler des mots insultants. » Catherine David Zeka obligée d'intervenir. Il n'aura pas fallu attendre beaucoup, à peine 4 heures, pour que Catherine David Zeka intervienne afin de mettre un terme à ses réflexions désobligeantes. Dans sa story sur le réseau social, elle a écrit, lien vers la publication concernée à l'appui, « Bon alors forcément il fallait que ça pose problème. Alors si est-il un maillot de bain ? Calmons-nous, d'où le terme pool party. Et en ce qui concerne mon ami, on est en 2023. Laissons les commentaires sur le physique de côté please. Une des amies en question, la comédienne Marie Caïs qui a joué dans Demain nous appartient en 2021, a elle aussi exprimé son opinion quant à ces polémiques. Il y a eu des commentaires de nature plutôt débile. J'arrive pas à croire que l'humain soit aussi bête. Quand vous nous voyez à la télé en sous-vêtements ou en mini-jupe, ça ne vous pose aucun problème, mais dans la vraie vie, si. Puis elle a fini avec une touche d'ironie, les consultations psy sont prises en charge par la Sécu. Pensez à prendre rendez-vous.